Si j'ai convoqué cette réunion d'urgence, c'est parce que... Todd, on en a déjà parlé combien de fois? T'as pas le droit de convoquer des réunions. Je suis le seul à pouvoir le faire, ok? Et tu peux en proposer une, c'est tout. Bon, d'accord, ça va, ça va. Si j'ai proposé de convoquer cette réunion... Votre requête a bien été reçue et est en cours d'étude. Requête refusée. Bon, Jack, cette histoire avec Sarah Lynn part complètement en couille, ok? Elle profite clairement de toi. Quoi? N'importe quoi. On a une relation spéciale, elle et moi, tu peux pas comprendre ça. Bordel, mais ouvre les yeux, regarde dans quel état elle a mis ta maison. Écoute, j'ai marché sur une seringue tout à l'heure. Je pense que je suis accro à l'héro maintenant. Et ça, si on l'apprend, ça va faire mal, Bojack. Si je peux me permettre, je suis d'accord avec Todd. Vous n'êtes pas le père de cette fille et vous ne lui rendez pas service en ne fixant aucune limite. Écoutez, j'ai joué un père à la télé pendant 9 ans, alors je crois que je sais mieux comment éduquer un enfant que vous, ok les clowns? Les gosses de Galipette en famille n'avaient pas besoin de limites. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était cette bonne vieille affection. Bojack, on est pas dans une série télé, là. Ok, on est dans la vraie vie, mon gars, réveille-toi. Ah, le mur est en feu. Le mur est en feu. Cette bonne vieille affection, c'est ce que je vais lui donner. Oui, je vais lui en donner. À revendre.